Mais jamais ça a été utile à l'Afrique. Mais il n'a pas le problème de l'Afrique. Encore la sorcellerie. Et là où il y a la sorcellerie, il y a la pauvreté. Il y a la pauvreté. Non, rien à vie au blanc. Rien. Tu manges ton akéké ici. Et le bien. Tu manges ton foutou. Et le bien. Tu as de l'or. Et kasika. Tu as tout. Et tu es pas où? Mais tu es pauvre. Mais les yaïno. Parce qu'il y a des gens. Mais quoi, mystiquement, où ils ont fermé cette vie. Quand tu as voulu t'élever, et quand tu as voulu Baton. Et ils contrôlent. Ouais, ceux qui maîtrisent le village sont les sorciers. Ouais, ils savent. Ouais, qui doit devenir ministre, non, ministre non. Qui doit devenir président de la République, ouais, qui doit devenir riche, ouais, ils savent. Ouais, ils bon. C'est ce qu'ils combattent. C'est ça que la sorcière c'est une mauvaise chose. Mais vous connaissez, et c'est là où est la sorcellerie, il y a un danger. C'est un après, danger. Depuis que nous sommes dans la région de Iré. À quoi il la région et la sous-région Iré, les choses ont commencé à rentrer en ordre. Oui, à moi, il y a. Demandez à Zaroko. C'est fini. Eh bien, on a fermé le canari. On a fermé la cuisine. On les a mis en carême forcé. Ils sont en gêne. Amen. On les a mis en gêne. Il faut qu'ils soient forcés. Ils te réveillent de voir cabri. Oh, je dis, maman, arrête de voir, il faut aller mon cabri. Oh, je vais manger en janvier. Et quand je viens couler. Comment on dit maman bonjour, je vous dis. Maman, tchèque. Elle vous dit tchèque aussi. C'est même chose. Maman tchèque. Elle dit le cabri tchèque. Il est pour tout. Passons qui mange à tchèque et poisson ton. Il est là, vous là. Ouais, on s'en est aussi à y manger. J'aime aller même. Quand il mange la chair humaine, ouais, quand il est dit, ce qu'on appelle mangeur d'âme. Voilà. Ouais. Ça existe. Ico. C'est les sang français. C'est ce que disent aux blancs. C'est vous qui avez envoyé le français. Là. Mais je parle. L'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Et c'est l'âme-là le sorcier mange. Mon corps est go. Et quand moi ton âme, la Bible nous dit dans Lévitique 17, verset 11, que l'âme se trouve dans le sang. Pourquoi est-ce que donc, c'est la partie énergétique de l'homme. Non, il y a c'est ça qu'on les appelle mangeurs d'âme. Quand ils mangent ton âme, comme des vampires, ça renouvelle leur force mystique. Il y a un tête de l'homme. Ça renouvelle leur force mystique. Ils ne mangent pas esprit. C'est ça que quand on mange quelqu'un, on l'a déjà mangé, il peut vivre. Pourquoi? Parce qu'il vit son esprit. Son âme est déjà bouffée. Mais comment on dit? Il marche. Parce qu'il a un esprit en lui. Mais sa durée, là, c'est. Moi, il y a une courte durée. Et puis, il programme les choses comme une maladie. Le hasard est venu. Mais pas comme ça que son truc sont derrière. Et puis, c'est le premier à pleurer au final. Les gars, oui, t'es là. Donc, le premier à envoyer le mur, la terre. Moi, c'est un petit peu. Moi, il t'a dit d'autres en donc, il dit, mais comment on peut dire qu'une personne est morte? Et puis on la voit, elle est vivante. Si. Ouais, quand au bout, il y a quoi, il y a quoi. Mais spirituellement parlant, la personne est morte. C'est pour ça que Jésus, même Jésus, lorsqu'il était face à la tombe de Lazare, tous ceux qui croient en moi vivront même s'ils sont morts. Tu le plan spirituel, vous comprenez. Tu sais, moi quand je commence à parler, si toi, s'il y a vu quelque chose sur toi, c'est déjà neutralisé. Amen. Parce que Dieu ne peut pas te donner une révélation. Amen. On dit amen. Amen. Ils ont ce pouvoir-là. Malheureusement, ça s'est contaminé. On transmet ça. Malheureusement. On peut donner ça à quelqu'un. Oui, vous m'avez dit. Maintenant, on n'a plus besoin qu'on soit parent. Eh oui, à l'unité, t'en as l'écho. J'étais tout récemment à Bijan, j'étais choqué par les témoignages des aveux d'une petite. À l'école, elle a contacté la sorcellerie à l'école. L'artiste a d'abord sa fille. Le jeune homme dit, donne-moi le père. Il a mordu la petite. Il y a une mouche qui est rentrée en elle. Donc elle est là, et puis une mouche la parle. Elle sait que ça se déplace. Elle va venir, elle va venir, elle se déplace, elle se déplace. C'est notre problème.
Il y a un river, ce n'est pas autre chose. Pour venir, c'est de la sorcellerie. Vous avez quoi, Bernie? Les gens accusent les blancs. Ah, les blancs! Ouais, t'es bien. Les blancs nous dominent. Ouais, quoi, les blancs prennent nos choses. Ouais, mais encore. Ils vont avec ça. Ouais, mais... C'est la sorcellerie. Ah ben, oui, le jour où l'Afrique va laisser sorcellerie, vous avez un petit développé. Allez, vous comprenez. Amen. Amen. Nous sommes très intelligents. Allez, il m'a dit là. C'est ça. L'intelligence, c'est la capacité de retenir des choses. Alors, quand vous avez la mémoire et la nuit, le sorcier peut venir prendre cette carte mémoire. Oh, tu veux, il a bien. Il y a écho. C'est là que tu ne vois plus rien. C'est fini. Eh bien, ils peuvent te ramener au village. Oh, oui, nous connaissons. Tu fais les diplômes jusqu'à là, on te ramène au village. Non, vous mettiez chasseur de rats. Voilà, mais qu'est-ce que vous y avez? Vous y avez travaillé. Et nous l'avons, moi, vous. L'autre problème, c'est la sorcellerie. Ils ont cette capacité de détruire ton argent. Ton argent. Dès que tu as ton argent, c'est comme du vent. Tu comprends plus rien. Tu as des projets. C'est bien, tu fais des projets. Dès que tu touches, tu as divo. Et vous divez. En train de boire vin. Divo vient de la vie. Ce qui vient, tu es en train de boire. Tous tes camarades vont venir, toi les inviter. Non, il y a rien. Ah, j'avais les boîtes, t'es gentil. Et quand même, pas être beau. Puis t'es pauvre, 10 000 francs. Là, bah, comment ou 100 000 francs. Où est la reste dans la vie. À l'autre, non. Et ça va t'amener à t'endetter. C'est fini. Ils sont derrière. Tout ce qui nous arrive, c'est ce qui est dit aux gens. Tout ce qui nous arrive à 90%, ils sont derrière. Personne n'est inutile sur cette terre. Non, nous sommes tous utiles. Parce que le diable détruit notre foi. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Détruit notre étoile. Ils ont ce pouvoir. Ils ont des esprits en eux. Ils ont possédé d'un esprit. Possédé des démons. Démons qui sont nés. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Et ils ont des esprits méchants. C'est des démons. Tu peux être là. Et ne me pas. Tu te fais la lire dans ta pensée. On a goûté. Il lit dans ta pensée. Il sait que tu as marié une femme, ça va aller. Il détruit le mariage. Il sait que tu vas te marier. Ils ont la possibilité de troquer les choses. Ta chance, on peut les vendre ça. À cause de orteil. Manger orteil. Toi, ta chance de sous-préfet. Les gars, ils vont ça. On a plein. De toute façon, on a marché là. Il a quand même fait son marché là. C'est un mal. Et là, il est très élevé. Nous devons tous combattre. Et là, il va vous appuyer. On dit amen. Amen. Donc, mon papa, ils l'ont tué. Les planteurs, yo. On a fini les funérailles. Ah bien, nous, pour moi. Mon frère aimé, ils l'ont tué. Il a eu un planteur. 6 mois après, il est mort. Il peut bloquer un peu. Moi, je suis allé en France. Et le doux. Ma soeur, elle essaie de suivre le frère. Et là, c'est un moment quand on voyait comme un mort, un tueur en série. Je sais bien, il y avait le frère, on connaît, yo, la fille. Maintenant, c'est chez moi. Là, mais écoute, je voyais ça venir. Et quand il y avait une paye, il savait qu'ils allaient me prendre. Et quand il y a quand même. Je sentais ça venir. Quand tu vois le danger, mais tu ne sais pas comment te protéger. Mais il y a quand même. Il y a toujours un chien. Comment faire? Il est une... Quand j'en parlais aux gens, et c'est je suis convaincu qu'ils vont m'attaquer. Non, le prêtre n'a jamais été victime. Et celui, ah, il ne sait pas, il banalise. On a vu, il ne sait pas. On dit, bah oui. Quand tu parles, tu ne parles pas sérieux. Et quand tu parles, tu es bête. Tu es bête. On est convaincu qu'ils allaient m'attaquer. Maintenant, il a un droit. Il est trop convaincu. Ami, il est venu à la Et puis, paf. Ma soeur est moi en jeu. En G80, mon père est mort le 23 juillet 93. Et ma soeur est mort le 28 plutôt le 28 juillet 94. Moi j'ai été attaqué mystiquement en novembre 94. En plein coup, il a commencé à vomir du sang. Le tout le monde a vu. Je vomis du sang, on m'amène à l'hôpital. Les blancs leur appareillent. Ils n'ont rien vu. Ils disent rien. On va essayer une maladie à moi. Alors, on va boire ça. Ce qu'on appelle la maladie mystique. Mais à la boire, oui. On ne peut pas détecter ça. Oui, il me met, je vous mets. Dans nos appareils. Vous savez, la science, vous voyez. La science nous sert à comprendre.
Ils croyaient qu'on nous raison. De comprendre, d'expliquer. Et nous, les fils de Romain, la nature. Et d'accord. Quand on prend la Goïna, ça nous dit oui. Avant, il y avait des microbes. Les blancs disent qu'on va fabriquer, qu'on appelle leur appareil là. Ah, ils vont fabriquer. Quand on a un vrai appareil, ils vont nous détecter. Et ça, alors, pour nous, amen. Mais si il dit au blanc, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Oui, avec quoi dit. Donc ne banalisez pas. Donc vous avez un dieu. La connaissance de certaines personnes. C'est dit, ah non. Non, c'est un écho, écho. Il dit au blanc, c'est où les premiers combats dans la société. Et puis il y a nos gens qui font semblant de croire ce que les blancs disent. Les amants, la quoi. Non, la société n'existe pas. C'est pas un vrai. Oui, vous avez un. Tout ce qui est non existe. Alors que nous, écho. Je vais vous poser une question. Et quand il dit, vous êtes Didas, c'est ça? Ah, Didas. Très bien. Vous êtes des grands mangeurs de foutu, c'est ça? Ah, il est petit bien. Où est-ce que ça fait? Ah, très bien. Vous mangez beaucoup de foutu. Elles sont tétées là. Ah, très bien. Vous pouvez donner le nom de la neige. Neige, d'accord, c'est la neige. La neige. Où est-ce que ça fait ça? Où est-ce que ça fait ça? D'accord. Tout c'est quoi? La neige. Non, attendez, je parle de celui-ci. Oh, on a eu ça. Neige. Je vois ça, la neige. C'est pas le brouillard. J'ai pas de neige. Oh, neige. Non, mais il neige pas chez toi. Comment tu vas avoir un nom dans ça? Hein? Imprime, impire, il y a une limite. Imprime, quelque chose qui n'existe pas chez toi. Il y a beaucoup. C'est ce nom. La limite, il y a une limite. Oui, non, ça n'est pas chez toi dans le livre. Pourquoi chercher l'or pour donner? Et bien, il y a un bigot. C'est pas dans tes réalités. Ça dit que ça n'existe pas ici. Et il moi, donc, tu n'oses même pas me chercher à faire. Et bien, il y a un gars, je dis que tout ce qui est ici dans ta langue, là. Et qu'on est là, il y a un nom dans ta langue. Et qu'on est ici, il y a un homme écho. Arrêtez de nous distraire. Ah non, 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 tu dis. Et c'est la politique. De Satan. Nos frères croient qu'il n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y aurait l'existence de la sorcellerie. C'est régner aux paroles bibliques. Et la Bible en parle. La Bible dit que ça existe. La sorcellerie est une réalité. Comment on appelle la sorcellerie aujourd'hui? Vous le savez. Dans le village, quand on regarde, on sait qui fait quoi, qui est quoi. Avec les esprits vous avez vécu dans le village, vous savez que un riz là, moi ce qu'il fait là, il est dégât. C'est un bon, ok. Mais c'est pas caché par moi. Et les sous, ils sont très méchants. Ils sont hypocrites. Ils mènent les gens en palade. Ils sont toujours prêts à parler mal. Toujours prêts à prendre l'héritage des gens. Moi, bien quoi, t'as dit quoi? Ils sont très envieux, merci. Ouais, ils étaient quoi? Ouais. Et puis, ils aiment bien. Mais moi, on a dit le prophète des Bagères. Ils aiment bien. Moi, on a un calzin. Mais là, les mots. Maintenant, quelqu'un aime trop bien. Comment dire, voilà. Vous mettez le poisson aussi dans la scène de la foi. Et puis, dis-moi, il veut viande. Et ça, il y a une. Il y a une. Puis pleinement, il ne veut pas aider. Non, oui, on ne va pas. Maintenant, il y a oui. C'est possible. Amen. C'est pas caché. Ils ne sont pas cachés. Voilà, vous, Soussou. Ils aiment mettre les gens et diviser les gens. Vous avez quoi? Quand tu commences, tu as un problème qui se réjouit. Et quand vous avez un problème, et jamais ils vont apprécier les choses. Ils ne vont pas apprécier les choses. Moi, vous pouvez. Il n'apprécie pas. Vous pouvez. Amen. Amen. La sorcellerie, vous avez fait une réalité. Il est arrivé dans mon rêve. Amen. Amen. Ils sont venus jusqu'à moi. Les gens ont commencé à faire. C'est ça qu'il a dit. Voyez, le sourd n'est pas malade. Ou après, vous avez commencé à pleurer. Il a commencé à sourire à moi. Je lui ai dans mon cœur, il dit toi blanc. Ah, moi, tu veux, je ne peux pas voir. Et ni la sorcellerie qu'il est. Vous avez je dors. Je n'ai pas dormi. Et la nuit, ils sont en train de manger mes poumons. La journée, je me réveille. Ça va. Mais la nuit, ils viennent manger. Ils prennent mes poumons. Ils vont aller manger son tétra. La même décidée. Ça, ils pleurent la nuit. Et puis, oui. La journée, ils ont fini de manger.
Je cherche le remède. Je cherche le remède. Je passe ici. C'est pas ici, on dit à Divo ou à Abidjan. Chez lui, à Tegame, Tegotou. La police, ça va aller. Ça va aller. Mais je souffre. C'est une maladie mystique, il sera difficile. La science nous donne un médicament. Il y a des maladies, même pas lui. Si c'est sorcier, il t'a donné. Tu ne vas jamais guérir. Il y a toutes sortes de maladies. Comment le paludisme, comme c'est une maladie mystique. Jamais. Ils vont te fatiguer. Oui, c'est rien. Ils vont te fatiguer. Oui, c'est rien. Te fatiguer. Oui, c'est rien. Te donner une maladie. Oui, couler. Puis te tuer après. Dans la terre, ils vont appauvrir et te tuer. Oui, c'est rien. Ils vont être en bio. Ils ont tout fait. Oui, il y a. Maintenant, deux mois. Ils sont. On m'amène ici. On m'amène là. Pas papi, en pas, mais puis on s'appelle. Puis il a dit au blanc. Il y a tes grands. Pardonnez. Vous n'avez jamais trouvé. Ah, il y a un goué. Ils disent, ah, il dit oui. Vous n'avez jamais trouvé. Ah, il y a. Mon problème là. Non, oui. C'est une sorcellerie. Après, eux, pour. Il dit, ah. Et puis il me dit, vous croyez, tu crois à ça? Il dit, mais c'est moi, non, hein? Il m'appelle, il me dit, non, on l'a vu, non? Ça n'existe pas. Il croit, il me dit, quoi? Sorcellerie n'existe pas. Vous m'avez dit quoi? Moi, je crois à la sorcellerie. Ah, mais il dit, non, hein? Mon papa était victime. Ma famille était victime. Jusqu'à moi. Il appelle mes tantes. Non, votre neveu, là, il est malade. Alors, chez les blancs. Quand tu ne vois pas comme eux, tu vois que tu es malade. Et parce que ton raisonnement est gauche. Donc il y a ce qu'on appelle une thérapie. C'est-à-dire qu'il faut le prendre et bien qu'on lui fait laver le cerveau. C'est le dire. Ça n'existe pas. Il faut laisser. Pourquoi on te parle? Puis ton cerveau enregistre. C'est ça qu'on appelle une thérapie. Il dit, vous allez venir me faire ça moi. Non, quand vous venez, vous moi. Venez, vas toi là. Quand vous allez moi, je vais t'écouter. C'est que je vous dis, sorcellerie n'existe pas. Non, vous voyez quoi? Je suis malade ou bien. Et il y a quoi? C'est comme ça qu'il a refusé ça. Ils ont dit non. Et je souffrais énormément. Mais non, quand c'est là. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je n'avais plus le choix. On me propose d'aller au Mali. Ouais, mais Mali. Il a dit, mais le plus grand. Nous, on a bu une assidu jusqu'à. Là, on a bu une assidu. Mon papa a bu une assidu. Et tout le monde était là avec ça. Ah, écoute, ils l'ont tué. Ouais, trop. On va aller partir là-bas encore. Et quand on m'a donc on cherche. Là-bas, il y a une soeur qui a dit oui, non. Que Jésus, peut te guérir. On est venu. Attends, nous. Allez à l'église. Encore c'est un péché. Il a dit rien. C'est ce que nous avons fait, c'est un péché. Il a dit que moi, je me levais là à l'église. Il n'y avait pas de plus de faux. Chez nous, on ne peut pas aller danser devant Dieu. Dieu est tout sérieux. À la croix. À la croix, non. Pourtant, ouais, aujourd'hui, c'est moi écrit ici, la gosille, si il est ouais, où avant. Avec, venez là. J'ai dit, mais Jésus, là, je pose la question, Jésus, là, c'est comment? Les hommes, là, j'ai dit, moi, je suis plus sorcellerie, il peut ça. J'ai dit, mais, vous avez les noirs. Elle, oui. Non. Jésus peut me guérir. Oh, j'ai dit, non, jamais. Elle, oui. Je n'ai pas le choix. Elle, oui, d'avoir le. Donc je l'ai suivi, les canaux, dimanche, les maïs, à l'église. Imaginons quelqu'un qui ne connaît pas l'église. Ah oui, comment on